Nîmes, victoire 4 à 2 aujourd'hui contre Bullard. Un match bizarre quand même. Après 4 minutes, tu mènes 2-0, tu te fais rattraper. Comment tu as senti ce match? Je trouve qu'on était bien rentré dedans avec les deux goals. Après, malheureusement, l'infériorité numérique, ça a payé. Ils ont marqué goal sur goal. Mais dans le vestiaire, on s'est encore encouragé, on est resté soudés, ça nous a permis d'en mettre un troisième. Et puis je trouve que c'était un match assez engagé dans les deux parties, les deux côtés de la glace. Je pense que c'était un bon match des deux côtés. Ouais, on a marqué le troisième direct et puis à la fin, il y a quand même ce quatrième qui est ton propre but, un joli but qui te fait plaisir aussi, je pense. Oui, forcément. Marquer au Graven, c'est toujours quelque chose de sympa pour moi en tout cas, parce que l'ambiance, elle est incroyable. Et puis il faut quand même, en venant de Genève, faut pas que je sois là pour me la couler douce, montrer que je suis là pour l'équipe de Sierre et me donner à chaque match à 100%. On voit ça depuis le début de saison, hein. On voit les jeunes qui viennent de Genève, ils ne viennent pas ici pour s'amuser. C'est clair, c'est peut-être un tremplin pour vous aussi. Et puis, mis à part ça, c'est, voilà, tu es en Valais, tu savais déjà auparavant, Sierre c'est quand même un peu particulier. Ah oui, alors pour nous déjà les jeunes c'est déjà bien, même si on n'a pas beaucoup de temps de jeu en Ligue 1 ou en Ligue B, ça nous permet de jouer contre des hommes déjà. Et puis c'est sûr qu'en venant au Graben, j'avais déjà entendu par mes coéquipiers à Genève, par exemple Jacques May, que le Graben, il y avait de l'ambiance et je confirme. Merci beaucoup Neil et puis bonne suite. Merci à vous aussi.